Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel enseignement sur le bonheur. Prenez le temps de vous installer confortablement, puis fermez les yeux. Vous êtes bien installé et vous posez l'intention de vivre un moment de bonheur intense dans cette nouvelle pratique. Observez maintenant le mouvement naturel de votre souffle et sentez comme cela fait du bien d'être juste là, en train de respirer. Accueillez et ressentez la douceur, le calme qui s'installe à chaque inspiration, à chaque expiration, dans toutes les cellules de votre corps. Vous êtes de plus en plus calme et détendu. Être conscient de votre respiration vous ramène inévitablement dans l'instant présent. Lorsque vous êtes dans la pleine conscience de l'instant présent, le bien-être peut se métamorphoser en bonheur et allumer une petite lumière intérieure dans votre cœur. Pouvez-vous sentir cela? Et peu à peu, vous lâchez prise. Continuez de vous laisser aller et de vous détendre. Sentez comme cela fait du bien de se laisser couler dans la détente et le bien-être. Vous êtes dans une bulle de bien-être. Vous êtes dans votre bulle de sagesse. Sentez comme vous êtes heureux de simplement vous retrouver dans cet espace intime avec votre sage intérieur. L'enseignement est déjà là. Le bonheur, c'est peut-être ça. Un état de détente. Un moment que l'on prend rien que pour soi, pour méditer. Une rencontre avec soi-même, où tout est paisible en nous-mêmes et en harmonie avec l'extérieur.
avant même de l'écouter, vous comprenez que le bonheur, c'est fait de petits moments comme celui-là. C'est d'être avec des personnes aimantes et bienveillantes. C'est partager des moments avec soi-même ou avec des personnes qui nous rendent heureux. Même si déjà, vous savez ce qu'est le bonheur pour l'avoir expérimenté, ressenti, aujourd'hui, votre sage intérieur va vous parler de comment cultiver le bonheur. Le sage commence à parler avec douceur. Connais-tu la définition du bonheur? On ressent un état de bonheur lorsque nos désirs sont satisfaits, lorsqu'on ne souffre plus de manque, de peur ou d'angoisse. Le bonheur, c'est un état de plénitude au cours duquel le corps et l'âme ne subissent aucun trouble intérieur et extérieur. Le bonheur est difficile à définir, car c'est un ressenti individuel. Ce qui est certain, c'est que nous cherchons tous le bonheur, car c'est un besoin humain et naturel de se sentir heureux et paisible. Plutôt que de chercher une définition du bonheur, il me semble qu'il est préférable d'expérimenter, en pleine conscience, ce qui nous met dans un état de bonheur, ce qui nous rend heureux. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me rend heureux? Essaye de trouver au moins 5 choses ou situations qui te rendent heureux et qui te conduisent à ressentir un état de bonheur. Le bonheur serait-il l'art de ne plus souffrir? Il semble que non, car certaines personnes peuvent ressentir un état de plénitude même au cœur d'une épreuve. En effet, même au cœur d'une épreuve, il peut y avoir des rayons de soleil qui viennent illuminer notre cœur. Un sourire. Une accalmie dans la douleur. Une main qui se tend. Une fleur qui s'ouvre juste pour nous. Un papillon qui vient se poser sur le bord de la fenêtre. Quelqu'un qui nous écoute et qui prend soin de nous. Il me semble que le bonheur réside dans nos possibilités de cultiver la pleine conscience de ce qui nous rend heureux, ainsi qu'une vision positive de la vie et du monde. Parallèlement, il m'apparaît que nous devons nous entraîner à accepter ce qui est. Contempler et apprécier l'instant présent en nous détachant des désirs non essentiels.
Interroge-toi à présent sur ces thèmes et accepte ce qui vient spontanément sans te juger. Accueille ce qui apparaît dans le champ de ta conscience. Cultives-tu ce qui te rend heureux? Essayes-tu d'être positif le plus souvent possible? T'entraînes-tu à accepter ce que la vie t'impose? Sais-tu contempler les choses simples et merveilleuses que la vie t'offre à chaque instant de ta vie? Sais-tu voir les petits riens de la vie qui font du bien à l'être? Sais-tu te réjouir et te contenter de ce que tu as? Sais-tu être dans la gratitude pour ce que tu possèdes? Savoir s'émerveiller de la beauté simple de la vie, des choses, de la nature et de certains êtres nourrit notre âme. L'émerveillement face à la beauté que chaque instant de la vie peut nous offrir, le bien-être que cela nous procure, si nous sommes dans la pleine conscience de l'instant, se métamorphose en une petite étincelle de lumière qui illumine notre âme. Nous nous sentons alors en unité avec tous les aspects de nous-mêmes, en accord avec la vie, et en unité avec le monde et l'univers. Ce sentiment d'unité totale de l'être avec le monde, c'est cela le bonheur. Notre âme rayonne alors aussi puissamment que le soleil dans le ciel. L'as-tu déjà expérimenté? Sais-tu que selon une étude scientifique, les personnes qui sont les plus heureuses et qui rayonnent de bonheur sont celles qui sont connectées et en accord avec leur famille, leurs amis, leur communauté? Elles sont physiquement en meilleure santé et vivent plus longtemps que celles qui sont moins bien connectées. C'est la qualité des relations qui compte, car vivre dans un milieu conflictuel est très mauvais pour la santé et fait souffrir. À présent, je te propose de penser à des choses qui rendent heureux et de voir si un état de bonheur, de plénitude s'installe en toi. Pense, imagine que tu passes un moment très heureux avec des personnes que tu aimes et qui t'aiment. Tu fais une balade au bord de la mer avec des amis sincères. Tu partages un bon repas avec une personne aimée.
Tu te réveilles le matin en pleine forme. Tu te sens en parfaite santé et plein d'énergie. Tu caresses tendrement un animal que tu aimes. Tu reçois un signe d'une personne aimée. Tu nages ou tu es dans une eau à température idéale pour toi. Tu te prélasses sur un transat confortable et tu profites pleinement de l'instant présent. Tu t'arrêtes et tu prends le temps de contempler toute la beauté de la nature. Tu ressens la douceur du soleil sur ta peau. Tu dors merveilleusement bien. Tu lis un livre qui t'intéresse et te captive. Tu écris une lettre d'amour. Tu reçois une lettre d'amour. Tu reçois un massage très doux. Et plein de délicatesse. Tu pratiques un sport ou une activité que tu aimes beaucoup. Tu prends juste du temps pour toi. Tu passes une journée en respectant ton rythme et tes besoins. Quelqu'un qui te sourit.
quelqu'un qui te regarde avec gentillesse et bienveillance. Tu prends soin de toi. Tu regardes un bon film. Tu restes un peu dans ton lit à flâner le matin. Tu fais une sieste bien méritée. Tu dégustes quelque chose de délicieux. Tu regardes les fleurs colorées qui éclosent au printemps. Tu admires la forêt en automne et ses couleurs chaudes, chatoyantes. Tu écoutes et tu apprécies le silence de la montagne en hiver. Tu observes le ciel, les nuages et le soleil. Tu sens avec délice une petite brise légère qui vient caresser ton corps en été. Tu contemples une nuit remplie d'étoiles qui scintille intensément. Tu réussis quelque chose et tu ressens un immense bien-être, un sentiment de satisfaction. Tu fais plaisir à quelqu'un, tu le rends heureux et ton cœur explose de joie. Que ressens-tu dans l'instant présent? Peux-tu, en pensant à des choses simples, comme celles que tu viens d'imaginer, te sentir dans un état intérieur de bonheur, de bien-être
de paix et de plénitude, si oui, apprécie pleinement l'instant. Sinon, de quoi aurais-tu besoin de plus pour être heureux? Ton bonheur ne dépend peut-être finalement que de toi, des choix que tu fais, des personnes dont tu t'entoures et de la façon dont tu regardes le monde et la vie. Et si c'était possible que tu t'entraînes à être de plus en plus heureux et dans un état de bonheur intérieur le plus souvent possible? Je te laisse quelques instants pour méditer sur cette séance. Tu peux aussi continuer des visualisations qui rendent heureux ou simplement respirer en conscience et profiter de ce moment de qualité avec toi-même. Peux-tu être heureux dans l'instant présent? À présent, remerciez le sage pour ce moment de bonheur passé avec lui. Puis vous sortez de votre bulle de sagesse, tranquillement,
sans vous presser. Vous revenez en vous sentant bien, paisible, heureux et souriant à l'intérieur. Sentez comme cet état de contentement, de bonheur, fait du bien à vos cellules. Imaginez-les qui se mettent à sourire. Elles rayonnent et c'est votre âme qui se met à briller, à sourire elle aussi. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir. Respectez votre rythme. Reprenez conscience de votre position. De l'endroit où vous êtes. Revenez en conservant cet état de paix, d'harmonie et de bonheur intérieur. C'est seulement lorsque vous vous sentirez prêt, lorsque votre corps sera prêt, que vous pourrez retourner vers votre quotidien avec cette intention de faire de chaque instant de votre vie un moment de bonheur. Si vous avez apprécié cette séance, nous vous invitons à suivre le lien dans la description pour découvrir toutes nos bulles de sagesse. Nous vous souhaitons tout le bonheur possible. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous disons à très vite pour une nouvelle pratique. Prenez soin de vous.